Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode de Mon Petit Monde Solo. Aujourd'hui, au programme, nous allons voir la ferma à bois et voir l'avancée en live. Bon visionnage. Alors, vous avez vu déjà, j'ai sorti le jukebox. Ça fait une petite musique d'ambiance. Ça s'écoute assez bien. Donc, dans un live, nous avons fait la démolition de cette petite montagne. À l'instant, on vient de finir la démolition du bas. Ici se trouvera la Blast Chamber que je vais attaquer prochainement. Et pour l'instant... Alors les amis, je me suis mis en mode spectateur pour vous présenter cette fameuse ferme. Je ne compte pas la utiliser ou faire quoi que ce soit avec les choses. Bien. Donc, cette ferme à bois a été construite à peu près en 2 jours. Bah, pas vraiment en 48 heures, mais plus en 6-7 heures. Elle est opérationnelle. Le seul petit bémol, c'est que je n'ai pas la Black Chamber. Blast Chamber. Donc, c'est pour ça que nous avons démoli la montagne qui est juste en dessous. Donc, ça fait une sacrée zone. À terme, d'ailleurs, cette zone-là aussi va être habitée, hein. Nous allons faire quelque chose, ne vous inquiétez pas. C'est ma deuxième du coup fois que je la construisais. La première fois, je ne savais pas ce que j'avais fait et ça ne marchait pas. La structure était bonne hein, en soi, mais à mon avis, il y a peut-être un ou deux répéteurs qui étaient mal positionnés, des blocs qui manquaient, des choses comme ça, qui m'étonnaient. J'en ai refait plein, mais du coup, une fois que ça commençait à merder, je me suis dit hop. Allez, on fait tomber des TNT dessus, on récupère tous les blocs et on recommence. Donc voici la ferme à bois. Elle fonctionne très bien. Le niveau de bois est dire correct. Hein. C'est forcément comme la plupart des fermes à bois, elle n'est pas full AFK. Alors que vous êtes obligé d'être ici en train de poser votre pousse d'arbre pour la faire pousser. Voilà, elle fait un peu de bruit aussi. Et est une grande consommatrice de bone meals. D'ailleurs pour ça que dans la tour à mob, nous l'avons refait la zone de spawnage pour que les mobs se tuent plus facilement. Nous avons aussi doublé la superficie pour ce faire. Donc voilà. Donc bien sûr après il faudra la décorer. L'autre petit problème aussi, c'est que là, je ne veux pas la faire fonctionner, en fait, tout simplement parce que le bois continue à arriver. Donc, quand vous faites pousser un arbre, ça fait 5-6 blocs, ça augmente 5-6 blocs. Le piston, il pousse et au bout de 2 arbres, tout ce qui reste, du coup, le piston n'en peut plus. Donc après, ce piston-là ne peut plus pousser, donc les autres continuent, donc ça défonce le bloc du dessous, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et... Au final, ça finit par casser ici, et après, ça finit par tout casser. Donc, ma solution est toute simple. Ça va être de positionner des blocs d'obsidienne aux endroits où ça peut casser. Par exemple, ici, ou par exemple, aussi, derrière, c'est ici, dessous, pour pas que ça casse. Ça cassera la torche, mais ça n'enlèvera pas la position du bloc. Après, il faut que je cherche quelle position a fait le bloc. C'est un peu dérangeant. Je vous l'accorde. Donc voilà, la ferme à bois. Ce soir, donc du coup, à l'heure où je vous parle, j'attaque cette petite chose qui sera juste ici. Et le récoltage se fera, bien sûr, en souterrain. Ah, je me spoil les cavernes, c'est pas bien. Ne pas spoiler les cavernes, quoique. Plus ou moins bien éclairé, mais il y a des zones qui sont pas éclairées quand même. Que ça dérange vraiment. Bref, de toute façon, il faudrait redescendre, tout creuser et tout remettre des torches. Donc, je vous rappelle aussi que la ferme à bois, on l'avait modifiée pour pouvoir faire du sapin pour faire ce bâtiment-là, qui est toujours à l'abandon d'ailleurs. Et en live, du coup, on avait commencé à faire le reste de ce bâtiment-là.
Dans le dernier live aussi, nous avons avancé un peu sur la déco ici. Donc, la déco est plus ou moins bien faite maintenant. Il restera juste un côté. C'est mon côté de référence, c'est pour ça qu'il y a l'échafaudage. Hein. C'est pas parce que j'en laisse traîner partout, tout le temps. Hein. Faut pas mettre au plus de bambou. Donc il restera plus que ce côté-là. Les mobs continuent à spawner ici, ce qui est assez embêtant. À un moment, ces toits-là sont spawn-proof, mais je ne sais pas si tout ça est spawn-proof. Normalement, si je me rappelle bien, ici, il faudrait mettre des lampes pour pouvoir empêcher le spawn. Et là aussi, là, ils peuvent pas tomber par contre, les mobs. Mais je pense que ce que c'est ici, ils se mettent ici, et après, plutôt illustré par là, ils se mettent ici, ils tombent, ils se laissent tomber ici pour revenir par là. Donc voilà. Bon, maintenant, nous allons aller voir pour trouver un conduit power. Enfin, pas exactement, pour trouver un cœur de l'océan. Sachant que, me connaissant, vous avez l'habitude que je fais des crafts custom pour tout n'importe quoi, et j'ai un craft custom pour faire des cœurs de l'océan. Problème, c'est qu'il me coûte énormément cher en matière de diamants. Et je suis pas riche. Ah, tant qu'à faire quelque chose de tricher, autant. Je permets de tricher, mais je paye en retour une dose énorme. Donc, voilà. Je pense aussi installer le datapack de pêche sur ma partie pour pouvoir remettre les fermes AFK de pêche. Je sais que c'est pas vraiment de la triche, ça a été nerfé, mais pour moi, c'est quand même abusé de ne pas pouvoir récupérer mes nautiles. Parce que pour l'instant, là dans la piscine qui est ici. Parce que je vous rappelle que ça reste une piscine. Hein. J'ai beau tuer les zombies qui tombent dedans ou juste comme ça. Pour l'instant, ça m'a pas rapporté plus que ça comment ça de coquilles de Nautilus. De Nautilus, je crois. Pour faire voir, du coup, ici, ça, c'était le dessous de la ferme, la tour à mob. Je vous l'avais déjà présenté en vidéo, mais vous n'avez pas fait voir, c'est que ça rapporte un peu beaucoup. C'est efficace, et forcément, j'ai pris beaucoup de temps à construire la ferme à bois, donc forcément, ça a tourné pendant X temps, X temps. Carrément récupérer le coffre, et j'ai pas. Voilà. C'est pas trop loin, c'est juste derrière chez moi. Du coup, je sais pas où est parti mon bateau. Où est mon bateau? Je vais donc me ref. Bien sûr, j'ai plus de table de craft non plus, hein. Faut pas déconner. J'aurais pris ma hache aussi. J'aurais pas peiné. Voilà. Donc maintenant, à la recherche d'un nouveau. Parce que j'en ai un, mais pour avoir un autre pendant qu'on est lancé. Ah, voilà un bateau. Ah, mon biome, mais ça, il est très grand, à mon avis. Quelque chose que je voudrais bien aussi, ce serait un monument pour avoir des gardiens. Parce que les gardiens, c'est chouette. C'est chouette. Je suis trop proche de l'autre, c'est une carte au trésor, il va m'indiquer encore celle-là. Ouh, c'est bon ça. On respire un peu. Hop là. La façon, même pour faire mon conduite, il va falloir. Normalement, c'est ce que j'ai exploré.
Ah, peut-être pas. C'est quoi ça? Des pommes de terre empoisonnées. Je sais toujours pas pourquoi il... Bref. On va pas épiloguer. Soupe suspecte. Je savais même pas que ça existait. D'accord. On peut avoir confiance dans les soupes qu'on mange maintenant. C'est honteux. Honteux. Je sais plus ce que je... Ouais, on va reprendre le bateau et on continue. F5. Ah, c'est mieux en F5. En fait, je suis dans une baie, je suis pas vraiment sorti. C'est une baie en fait, ça. J'ai vu que juste à côté de chez moi aussi, il y avait des ruines. J'ai jamais été des ruines sous-marines. Donc, on va pas retrouver un de sitôt. Donc, je vais vous laisser 5 minutes. Bon, les amis, nous sommes pleins. Nous avons récupéré 3 cœurs de l'océan. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver des coquilles de Nautil. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez un pouce bleu. Vous pouvez aller me voir sur Twitch. Vous pouvez aussi voir l'avancée des travaux en direct, au lieu d'attendre le résumé des épisodes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Twitch. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.